Au nom du Ne faites pas attendre, Viraz. La patience n'est pas son fort. Soldats, le combat fera bientôt rage. Préparez les défenses. Oui, chef. Parlez donc. Allez couvrir de gloire les élus, des lâches doublés de traîtres. Ils regretteront de défier la puissance des élus. Je vous accorde une seconde. Vous avez vos ordres. Retournez, recrues, c'est la guerre. Désignez la cible. Vous n'allez pas ruiner ma couverture. Vous avez le teint terriblement hâlé aujourd'hui. Encore des ordres ? Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Invoquer Mortanis? Avec la pénurie? Ils n'y pensent pas? Oh, soldats, allez dire au baron que s'il veut sa garde d'os, il va falloir qu'il lâche de l'anima. À vos ordres! Allez plus fort! Pas de quartier! Quels sont les ordres? Un corps tombera toujours, mais la gloire est éternelle! Soldats! Le perdant sera de corvée de minerais pour la forge. Allez! Les lames sont à votre service. Les ordres ont changé. Direction l'ouest. En avant, marche! Je vous écoute, soldat. Allez couvrir de gloire les élus. Retournez à votre poste. Vous avez mon travail. Dites à Draka que nous sommes parés au combat. Sang et tonnerre. La force nous vient du cœur. Mémis ce Prima nous a laissé la pierre en défi. Vous devez arriver à elle pour prouver votre force. Sont inondés par les ténèbres. La trahison est mère du chaos. Les liens détériorés doivent être retissés. La clé saura honorer les braves. Tronka,
force. Cette flamme a été forgée par le primat. Combien de temps est-ce qu'elle est restée cachée dans cette pierre? L'Octar. Au nom d'Ernir était l'une des apprenties du primat. Elle pourra peut-être nous en dire plus sur cette lame. Qu'est-ce que vous avez encore cassé? Ah! Vous ne voyez pas que je travaille? Qu'est-ce que... C'est impossible. Alors, c'était ça la source de cette agitation. Une lame et un message du primat, aux personnes. Quoi qu'il en soit, sans manche, une lame ne vaut pas grand-chose. J'ai du pain sur la planche. Je peux vous forger quelque chose? Gardez donc votre arme. Moi, je garde mon marteau. Pas de bon Maldraxxus, il n'y a rien de gratuit. Tout doit se mériter. Ces composants ne font pas exception. Que le primat m'a choisi. Pour les réparations, voyez ailleurs. La meilleure armure ne remplace pas l'entraînement. Le primat m'a certes enseigné bien des choses sur la forge, mais j'ai aussi mes petits secrets. Oh, il a enchanté la lame, évidemment. Vous feriez bien de vous préparer à vous battre. Nous allons devoir conjuguer... Qu'attendons-nous pour nous mettre au travail? Combien d'âmes a-t-il pu bien forger là-dedans?
Voilà le dernier gardien de l'enchantement. Terrassez-le pour obtenir votre lame runique. De s'élever au-dessus des autres. Ah ! J'ai beau l'avoir forgé, c'est manifestement à vous que revient le droit de la porter. Prenez-la. On dirait que vous avez réveillé l'une des runes de la lame. Connaissant le primat, ce n'est sans doute qu'un début. Vous voulez quelque chose ? J'espère que c'est important. Pas de cette arme que je vous ai forgée est exceptionnelle. Si vous vous avisez de la casser, c'est moi qui vous casse. Alors, Ermir avait beaucoup à en dire. Comment se passent les combats? Seuls les plus forts survivent. Pour Crexus, venez! Le margrave Crexus nous attend. D'abord, vous apportez la guerre, et maintenant la lame du primat. Votre légende s'écrit à toute vitesse, mortel. Maldraxxus honore les puissants. Accepte le primat à incarner les cinq vertus du soldat Maldraxxi idéal. L'ambition de s'élever au-dessus de ses ennemis et la force de les dominer. La sagacité de percer leurs manigances à jour et la ruse pour les déjouer. L'implacable quête de la victoire, même face à une défaite inexorable. Cinq vertus et cinq runes gravées sur la lame, les mêmes qu'on retrouve au siège du primat. Ici, chaque arme doit mériter sa place. Savviraz, Drakkar. Conduisez cette âme mortelle jusqu'au siège du primat. Voyons ce qu'il adviendra. Je m'occupe d'ouvrir la voie. Ne traînez pas, soldat. Pour l'honneur de l'Islam, toute défaite n'est qu'une nouvelle leçon. Le siège du primat est resté fermé depuis sa disparition. Beaucoup ont essayé de le rouvrir en vain. Les armes qu'il forgeait étaient légendaires. Si nous avons trouvé la clé de son arsenal, elles seront à nous. Les autres maisons ne tarderont pas à apprendre que nous avons l'épée. Il va falloir nous battre.
Crexus avait raison. La clé du siège du Primat est à nous. Notre maison ne doit pas tomber la première. N'oublions pas que nous avons une guerre à remporter. Sang et tonnerre. Présentez-vous à la pointe de lance. Nous avons une bataille à gagner. Au nom du Primat.